C'était plus facile avant. Vous aviez pas de robots géants, mais j'avais une armée. C'est bouché, c'est fabriqué.
effacer l'avant, c'est les pas de robots géants, et j'avais une armée. Thank you.
shut. Commande à l'étage supérieur. Tu pourras ouvrir le hangar depuis cette pièce.
touche pas. Tu as de la visite. Vous êtes cinglés. Attention à l'atterrissage. Merde. C'est mort, là. Au poil, mon gars, rien de cassé. Putain d'abruti de teuton. Fais gaffe à l'atterrissage si tu veux rester en vie. Blaskovic, dépêche-toi d'aider Caroline à s'installer aux commandes du dernier hélicoptère. Pour survivre. Je te croyais morte. Mes souvenirs sont flous, mais je me rappelle avoir cogné Hans Grosse. Et d'avoir filé à travers le ciel. J'ai presque cru que j'arrivais au paradis. Et je suis tombée, j'avais mal. C'était épouvantable, comme si mes entrailles me sortaient par la colonne vertébrale. J'étais paralysée, j'ai dû ramper. On m'a retrouvée dans un fossé au bout de 3 jours. Ensuite, j'ai passé de très longs mois dans un lit d'hôpital. On me plantait toutes sortes de tubes dans les veines. Une infection, ce sont des choses dont je préfère ne pas me rappeler. Je suis désolé pour tes jambes. Mais non, j'ai appris à voler. Priorité. Que sont les dates Yeshud? Comment peut-on les contacter? Anya, que savons-nous? Pas grand-chose, mais j'ai ma petite idée. Bien. Anya, vous allez mener les recherches. Blaskovic, tu vas l'aider à réunir tout ce dont elle a besoin. Ya? William, j'ai besoin de toi. Tu peux... J'ai trouvé des pistes intéressantes. Ce parchemin explique comment fabriquer un super béton. Tu crois que c'est ce que les nazis ont utilisé pour construire toutes ces atrocités en béton? Oui. Tout, même ce bâtiment. Ils n'utilisent que ce type de béton. C'est pour cette raison qu'ils ont pu bâtir toutes ces villes aussi vite. Maintenant que l'origine de ce béton est établie, j'aurais besoin d'un échantillon pour l'étudier. Est-ce que tu pourrais chercher un morceau de béton sur lequel de la moisissure s'est développée? Si tu veux pouvoir prélever un échantillon, il faut qu'il soit bien poreux. Tout ce que tu voudras. Et au fait... Il y avait une liste cryptée des membres de Dat Yeshud qui étaient en Pologne pendant la guerre. Je voudrais la comparer avec les registres officiels allemands des citoyens juifs. Et en particulier entre les années 1939 et 1945. Regarde si ces registres sont aux archives. Je m'en occupe tout de suite. Attends, une dernière chose. C'est très important. Quoi ? Ce sera tout. Tu peux y aller.
Fergus, j'ai besoin des clés des archives. Tu les as ? Ouais. Merde! 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 Tout va bien, Fergus? Je me fais vieux, Blazkowicz. Je sais pas combien de temps je pourrais continuer. Ça va aller, t'inquiète, on tient encore la route. Ouais? Pendant encore combien de temps? Qu'est-ce qui t'arrive, Fergus? J'en sais rien. Rien de précis. Un peu tout. C'est ce gamin, merde! Le soldat Wyatt! Il devrait être ici, à ma place. Il était jeune. Plein de potentiel. Il nous aurait donné un avenir. Nous deux, on est des putains de fossiles qui ont plus que leur volonté pour mettre un pied devant l'autre. J'ai fait le mauvais choix. Ça me paraît évident, non? Je croyais que j'allais y rester, et je l'aurais fait sans hésiter. Je me suis cassé le cul pour sauver ce gamin, Blazkowicz. Toi, t'as caché mes efforts. Tiens, le soldat Prendergast. Ce gamin, il pouvait tout endurer. Mais il est mort. Mort comme tous les autres. Et toi, t'es coincé avec un squelette qui te sert à que dalle. Alors dis-moi, c'est quoi notre solution à long terme, hein? Qui sera là pour assurer la suite quand toi et moi, on sera devenus trop vieux pour tenir une arme? Fous-moi le camp. Il faut que je dorme. Tienne à la propreté ici.
Vous êtes trop près. Simienne m'empêche de réfléchir. Je perds des neurones à vous. Un échantillon? J'ai vu pas mal de moisissures dans le hangar. Je sais, je sais. Attention, moisissure. La bâche a dû s'envoler à cause des hélicos. C'est de la moisissure. J'ai besoin d'une scie circulaire pour prendre un échantillon. Voyons s'il y a des outils. Je vais chercher elle. Madame Louis, est-ce que tout va bien en bas? Maître Ross? Sacré chute, monsieur Trump, la mort. T'es dans les égouts maintenant. Faudra retrouver ton chemin après avoir jeté un œil, hein?
capitaine de la Salvez. Salut, cowboy. Fabrique, bon sang. Une expérience. Tu fais peur à Max. Désolé, mon pote. Je savais pas qu'il craignait ça. C'est son fils? Non. Enfin, si on veut. En fait, je n'en sais rien. C'est quoi l'histoire? Klaus avait un fils autrefois, qui était né durant la guerre, un miracle selon lui. Ils avaient essayé pendant des années d'avoir un enfant, sa femme et lui. Ouais, il ferait un bon père. Pour un nazi. Le problème, c'est que son enfant est né avec un pied bot. Bien entendu, Klaus savait ce que ça impliquait, et il a supplié les médecins de ne pas le dénoncer. Quand la police secrète est arrivée pour emmener le garçon, Klaus et sa femme ont tenté de leur résister. Sa femme est morte, elle a pris une balle dans la tête. Et l'enfant aussi. Klaus n'a pas réussi à les protéger. Il se sent responsable. Je crois bien. Et il ne pourra jamais pardonner aux nazis. Se jouer. Moi, j'avais qu'une pomme de pain et des allumettes. Toi, tu es à Max, on rentre à la maison. Amerikanische Trottel. Faites beau rêve, Max. Merci, William.
Laisse-moi faire les analyses. Je crois que je tiens une piste. T'en veux ? C'est bon ? C'est à la cerise ? Non. C'est bon, merci. Le super béton. Le matériau de construction préféré du Reich, qui s'inspire de la technologie de la date Yeshud. Presque parfait, mais il développe des moisissures au fil du temps. Quelqu'un a modifié sa composition, quelqu'un qui connaît ses secrets. En analysant l'échantillon, j'ai trouvé une trace d'un type de calcaire qu'on ne trouve que dans le nord de la Croatie. Maintenant, regardez. Le nom de cette rose. Il apparaît à 3 reprises dans les documents de la date Yeshud. Selon les registres officiels, il a été détenu en 41 dans le camp de Lodze, puis envoyé dans un camp de travail à Belica, dans le nord de la Croatie. Et c'est ici que ça devient très intéressant. Les prisonniers de ce camp travaillent dans une carrière et en extraient une roche calcaire qui sert à fabriquer le super béton. À mon avis, c'est dans ce camp qu'on trouvera cette rose. Le seul survivant de la date Yeshud. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'inconnus. C'est un homme âgé, il est peut-être même déjà mort. Nous ne pouvons pas attaquer un camp de cette taille et espérer mettre la main sur lui avant que toute l'armée nazie nous tombe dessus. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Pas le choix. Quelqu'un va devoir infiltrer le camp. Incognito. Involontaire ? Tu t'en sens capable, Blaskowitz ? Quel crétin. J'ai été arrogant. Personne n'est jamais prêt à vivre un truc pareil. Mit dem hier? Zu massiv. Der frisst uns die Haare vom Kopf. Nee, der kommt mir irgendwie bekannt vor. Der sieht wie ein Schwerbeiter aus. Bitte, Frau Engel. Na gut. Wolfgang, der hier. Jawohl, Lagerkommandant. Durch die Tür, Sausack! Ça ne s'améliore pas. Ça fait longtemps. Je suis là, je sais plus, des semaines, des mois peut-être. On meurt vite ici, tu sais. J'affrontais les nazis en Afrique. Je les avais poussés un temps, mais ça n'a pas duré. Ils étaient trop forts. Et là, j'essaie simplement de rester en vie, jour après jour. Je cherche un homme appelé Seth Ross. J'en ai entendu parler. C'est lui qui a passé le plus de temps ici. Il est au bloc 4, mais pour y entrer, il te faut le bon uniforme. Oh, cherche un prisonnier, là-bas sur ta droite, qui porte un uniforme du bloc 4. C'est lui, il s'appelle Milo. Il paraît que sa femme est consignée dans le bloc. Il pourra peut-être échanger son uniforme contre tien. Mais avant tout, il te faudra distraire les gardes. Merci. Essaie de trouver un moyen de distraire les gardes. Ils te surveillent de près.
ta machine, les gardes pèteront. C'est ce qu'il y a de plus pratique, si tu veux. Elle est vivante. Si on échange nos uniformes, vous pourrez vérifier par vous-même. D'accord. Vite. Na, wie sieht's aus? Können wir wieder anfahren? Die Lager sind geschmolzen. Brauchen wir ein paar Mechaniker. Die kommen erst morgen wieder. Na ja, dann machen wir Schluss für heute, oder? Ja. Komm, gehen wir saufen. Aufgemerkt, Gefangene! Die Fabrik ist heute geschlossen. Kehrt sofort in eure Quartiere zurück. Insassen von Block 4 durch das rote Tor. Insassen von Block 6 durch das blaue Tor. J'espère que tu trouveras vraiment ce que tu cherches. Mon nom à moi, c'est Bombait. William J. Blazkowicz. Fais gaffe à toi. Fais gaffe à toi. Si tu vois le couteau, tourne-toi et baisse les yeux. Reste toujours avec elle. C'est bien compris. Te tuera. Hé, hey, répondez. C'est vous. Hé, vous, vous avez vu ma fille? Cette rosse. Regardez ce véritable colosse tout en muscles, en voilà un taillé pour le combat. C'est vous, Setros? Ça dépend. Qu'est-ce que vous lui voulez à Setros? Vous êtes de la date issue, source de la technologie nazie, je viens vous sauver. Vous venez me... Ah, ça c'est merveilleux, tu entends, il est venu me sauver. Dans ce cas, sauvez-le lui plutôt, et filez d'ici sans attendre. Simpson, ne perdez pas de temps, compris? J'ai juré de ne plus jamais transmettre les secrets de la Tassirad. Rien à foutre, des gens meurent. La Résistance vous appelle. Il s'agit donc d'une transaction. Je vois, vous voudriez que j'échange ma liberté contre les secrets que j'ai juré de garder. Que je sacrifie mon honneur sur l'autel de la vertu. Bon, permettez-moi d'y réfléchir un petit moment, Simpson. Guten Abend, Gefangene. Hier spricht Lama, Direktor Engel. Voici ce que je vous propose. Aidez-moi à fermer cet endroit, et je vous ouvrirai les portes du pouvoir à vous et à vos camarades. D'accord. Autrefois, j'ai travaillé sur un projet, cette machine. Elle fonctionne grâce à une technologie de la Dacirad. Je la connais très, très bien. Et ça... Regardez plus discrètement, enfin. Avec ça, je suis en mesure de prendre le contrôle de cette machine infernale, de faire sauter les portes du camp et de libérer tout le monde. Il ne me manque qu'une seule pièce. Je vous écoute. Une source d'énergie. Cette machine... Son système électrique est alimenté par une batterie bien spécifique, une batterie détronique. Vous trouverez une batterie de ce type dans la station-service des locaux de commandement du camp. Mais c'est dans un autre bloc, le bloc 6. Si vous réussissez à désactiver le système automatique de sécurité qui surveille les sorties, vous réussirez sans problème à atteindre le bloc 6. Je crois que là-bas, de
le quartier des gardes, vous devriez trouver le module de commande du système de sécurité. Trouvez un moyen d'entrer, localiser le module de contrôle, ensuite couper le système et revenez me voir. Comme vous. Je m'occuperai de ce garde qu'on surnomme le couteau. Il s'amuse à emmener des prisonniers dans les quartiers des gardes pour les torturer. Oh, j'ai vu la fumée qui sort de la cheminée juste après. Je vous demande juste de lui donner ce qu'il mérite. Faites-le pour nous tous. In mein Haus schleichen, was? Solche Dreistigkeit habe ich von Ungeziefern wie dir noch nie gesehen. Unglaublich. Da denkt man, man wüsste, wie ein Insekt denkt. Und was von ihm zu erwarten ist. Doch weit gefehlt. Du erbärmliches Stück Scheiße. Ich werde jede einzelne Kakerlake zertreten. Thank you.
Voilà, une bonne chose de faite. Ça doit être ça, le module de commande des systèmes de sécurité. Système de sécurité neutralisé. Allons retrouver Seth. Vous avez fait ce qu'il fallait, n'est-ce pas? Ce n'est pas toujours facile de prendre la bonne décision. Mais croyez-moi, vous ne vous êtes pas trompé. C'est sûr. Il faut parfois trouver d'autres moyens de résistance que la violence. Regardez, le moindre ajustement des ingrédients qui composent ce béton déstabilise tout le mélange. La structure moléculaire se dégrade et le matériau moisit rapidement. Le système de sécurité. C'est fait. Ah, Shimshon. Quel est votre nom, Yengel? Blazkowicz. Blazkowicz, oui, Blazkowicz. Bon, maintenant que le système de sécurité est coupé, vous pouvez franchir cette porte pour rejoindre l'usine. Attention, surtout passez bien par la porte bleue du bloc 6, là où se trouve le bâtiment de commandement. Vous avez entendu. Une fois que vous êtes à l'intérieur, trouvez la batterie d'Etronic. Faites vite, il ne faut surtout pas que quelqu'un remarque quoi que ce soit, hein. Beatzlacha, Ingle. Pardon. Bonne chance. Écoutez-moi, Yengele, passez la porte, traversez l'usine, prenez la porte bleue qui mène au bloc 6, pénétrez dans le bâtiment de commandement et volez une batterie d'Etronic. J'y suis. C'est le bâtiment de commandement.
l'esprit devrait être quelque part par là. Son parfum.
maître de la mort. Elle a l'air si fière d'elle-même. Saboteur! Hier, den erkenne ich von der Selektion wieder. Allein. Noch davor, Bobby. Der Nachtzug. Meine Güte, ja, du hast recht. Seinem Abzeichen zu urteilen, ist ein Amerikaner und ein Anarchist, hm? Ein Amerikaner? Gut. Sofortige Liquidierung von ihm. Allen Insassen von Block 4. Und eine eindrückliche Warnung sein für all die Schweine, die allein Aufstand gedacht haben. Alarmiert sie an Faust. Jawohl, Lager, Kommandant. Dabei muss ich aber nicht dabei sein, oder? Wie stank dieses Ort ist. Mach, was du willst. Mais qu'est-ce qui t'a pris, espèce d'imbécile? Weitermachen, Herr Faust! Hey! La batterie! Donnez-moi la batterie! La batterie, vous l'avez! Prenez place, Simpson. Allons les libérer. C'est compris, Simpson. On retourne au camp. On ouvre le garage. On vole un véhicule. On défonce les portes. Allez!
lance-roquettes! Déposez-moi sur le toit, je vais entrer dans le garage et ouvrir les portes. Faites-moi descendre d'ici, monsieur Blazkowicz. Ensuite, j'irai ouvrir les portes. Vraiment pas beaucoup de temps. Allez monter dans ce foutu camion, Blazkowicz.
Bon. Je fais rarement des compliments, mais il se peut que j'ai sous-estimé l'utilité de votre physique de primate, monsieur Blazkowicz. La date, Yishud. Dites-moi, qu'est-ce que c'est ? L'Ada Sirrud est une société mystique et antique. Nous opérions dans le plus grand secret depuis des millénaires, jusqu'à maintenant, en tout cas. Qu'est-ce que vous faites ? Vous priez ? Non, non, Mamoulou, nous ne prions pas. Nous inventons des choses, Mamoulou. La technologie mise au point par l'Ada Sirrud a des siècles d'avance sur tout ce que vous avez pu voir ou imaginer. Mais elle est dangereuse en de mauvaises mains. Les nazis ont trouvé notre cachette et tous nos secrets. C'est comme ça qu'ils ont gagné. Tout ce qu'ils ont jamais accompli, tous leurs exploits sont le fruit de notre savoir. Mais ce n'était pas la seule cachette de notre groupe. Nous en avons des centaines dissimulées dans les endroits les plus secrets du monde. Il y en a partout. Certaines sont provisoires, comme celles trouvées par les nazis. Mais d'autres sont de grands temples pleins à craquer de connaissances, de magnifiques inventions, des choses qui, pour vous, sembleraient magiques. Si vous le désirez, je peux vous ouvrir les portes d'un tel endroit, mais l'atteindre ne sera pas facile. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, cette cachette se trouve au fond de l'océan Atlantique. Ce qu'il nous faut, c'est un sous-marin capable de naviguer en grande profondeur. Voler un sous-marin nazi, putain, c'est ça ce que vous proposez ? Non, mais vous êtes timbré. Je sais où trouver un sous-marin, mais pour mener mon plan à bien, il faut réparer cet engin. Pouvez-vous le faire ? Je ne suis pas de la Dacirut pour rien. Je peux le faire les yeux fermés. Bien. Nous aurons aussi besoin d'y ajouter quelques éléments. Je vous donnerai les détails au plus vite. Blazkowicz, assiste-le si ça ne te dérange pas. Oh, sehr gut, sehr gut. Oh, monsieur Blazkowicz, j'ai aussi besoin de matériel de soudure, s'il vous plaît. 7. Ouais. J'essaie de comprendre ce que vous faisiez exactement dans votre petite organisation. Est-ce qu'il s'agissait de mécanique surnaturelle ? Surnaturelle ? Nous ne croyons pas. Au surnaturel, Mamoulou. Nous croyons en Dieu. La Dacirud est une philosophie, une manière de comprendre Dieu par le savoir. Elle s'appuie sur la raison pure, la pensée rationnelle. Rien, rien de surnaturel. Enfin, voyons. Ah, donc tout ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous pourriez faire de tout ça, au juste? Toujours en forme, mon vieux. Je ne vous suis pas. Comme des équations mathématiques. Et chaque équation résolue vous rapproche de Dieu. C'est l'acte de création lui-même qui vous sert. Excusez-moi, c'est que mon alliance, je l'ai perdue. Je suis d'une maladresse. Je l'ai perdue sur le chemin du retour. Elle ne vaut rien, mais c'est le dernier souvenir que j'avais de mon Sébastien. Quelqu'un a l'air de s'intéresser aux hélicoptères. Aide Seth à se procurer toutes les pièces qui lui manquent. D'accord ? Mm-hmm.
nom de Dieu, t'éclat ! Mais qu'est-ce qu'il y a, vous dormez pas ? Je n'aime pas dormir. Qui me dit que je me réveillerai après ? J'ai une question pour vous. Il n'y comprendra rien. Où est-ce qu'on va quand on perd conscience ? Pourquoi on perd notre temps ? Quoi ? Surprise, surprise. Vous avez un cerveau. Le cerveau est un organe qui traite les informations en exécutant un processus électrochimique. Votre conscience est une propriété émergente de ce processus. Au fond, rien de plus qu'une page blanche. En d'autres termes, vous êtes seulement ce processus. Fondamentalement, vous avez l'expérience d'une existence continue. Vous êtes vous, à ce moment du temps, le même vous que par le passé. Et vous avez la sensation de parcourir ce continuum de vous-même dans le futur. Vous me suivez ? On dirait que non. Je poursuis. Il arrive que le cerveau subisse différents traumas, interrompant momentanément le processus électrochimique, comme un boxeur qu'on met KO. Dans ces cas-là, le cerveau n'exécute plus ce processus électrochimique organisant l'information. La conscience disparaît, vous perdez conscience. Faites bien attention. À ce moment du temps, votre conscience, ce qui vous caractérise, votre continuum de vous-même, a cessé d'exister dans le monde physique. Mais un peu plus tard, le processus électrochimique peut reprendre, permettant à votre conscience d'émerger des informations stockées dans le cerveau. Mais une question, où vous trouvez-vous à ce moment-là ? Non, il est trop bête. Ne devons-nous pas partir du principe que lorsque la conscience n'est plus, la personne meurt ? Qu'une nouvelle conscience apparaisse ou non dans le même cerveau est totalement sans importance pour la conscience défunte. La nouvelle conscience est simplement une nouvelle personne. Parce qu'elle émerge du même cerveau, elle a accès aux mêmes souvenirs et structures cognitives que la conscience décédée. Et elle croit donc être la même personne, mais en réalité, imposteur qui a hérité de l'organisme et du cerveau de l'autre qui l'a précédé et qui est maintenant mort. Oui, c'est comme parler à un enfant. Et l'âme dans tout ça ? Je savais qu'il était bête. Ce que vous appelez l'âme n'existe pas. Nous sommes des machines biologiques, rien de plus, rien de moins. Idiot ! L'âme n'est qu'un concept vain rêvé par des prêtres et des armées de fabulistes. Vous êtes une anomalie, vous êtes une donnée aberrante ! Un anus riant, voilà ce que vous êtes! Je ne sais pas quoi penser de vous. Qu'y a-t-il? Vous êtes venu m'aider? Personne ne peut vous aider. Sur quoi vous travaillez? Recueil de données, activités ennemies, schémas comportementaux, les nôtres, les leurs, probabilité, développement de prévision. Comment distribuent-ils leurs ressources? Où vont-ils attaquer? Et après ça, quels facteurs déclenchent leurs actions? Je réfléchis à leurs décisions avant qu'ils les prennent eux-mêmes. À vous entendre, l'avenir serait inévitable et toutes nos décisions ont d'ores et déjà été prises. Vous croyez à l'existence du libre arbitre? Vous ne savez rien de ce qu'est ce monde. Vous voulez être maître de votre destin, non? Ce combat est déjà perdu. Nul ne saurait vaincre les lois de la physique. Je suis maître de mes actions. Ça, au moins, je le sais. Tous les phénomènes du monde physique suivent la célèbre règle de la cause et de l'effet. Votre cerveau n'y fait pas exception. Si vous connaissez les causes, vous pourrez prévoir leurs effets. Et il en va de même pour tout. Alors pourquoi tout cet arsenal? En prévision de la fin. Je sais où me conduit mon destin, et j'ai l'intention d'emporter un maximum de nazis avec moi le moment venu. Vous savez vous servir d'une arme à feu. Vous voulez m'apprendre?
Marcus a pris le chalumeau. Vous espérez que je vous donne des réponses, non? J'ai des réponses, grand singe. Des réponses très importantes. Des réponses révélatrices. Qu'est-ce que tu veux, Blazkowicz? Je cherche le chalumeau. Tu l'as vu? Non, je ne l'ai pas vu. Oh, attends, si, t'as raison, c'est vrai. Je voulais réparer la rambarde au-dessus de l'entrée secrète de la fontaine. Ce truc m'a glissé des mains et il est tombé dans l'eau. J'ai du pain sur la planche, mais si tu veux chalumeau, tu as mon autorisation express de te baigner. La porte de l'entrée secrète est dans la pièce principale derrière la cave. D'abord là-bas. À mon avis, tu devrais pouvoir repêcher le chalumeau dans la flotte. Excuse-moi, je voudrais pas te gêner en pleine réflexion, mais je dois ouvrir cette porte. Ah, mais tu me déranges pas. Non, je pense seulement à des trucs que je préférerais oublier. C'est si horrible? Oh, je me dis que je devrais avoir le cerveau en miettes après avoir vu tout ce que j'ai vu. Pourquoi c'est pas le cas? Je sais pas. Peut-être que ça a déjà commencé sans que je le sache. On change tous. Peu importe qui t'es, ce que t'as dans le buffet. Tu vois, toi et moi, on doit juste chevaucher la tornade, et peut-être en sortir entier. Et tuer tous les nazis. Et tuer tous les nazis. Je trinquerai avec toi pour fêter ça, une fois que le moment sera venu. Ça marche. Ist nicht gefährlich? Ich meine, wegen des Krieges. Die Front ist weiter im Süden. Afrika ist ziemlich groß, weißt du? Mein Mann wollte immer schon mal auf Großfeldjagd gehen. Ich würde so gern einen Elefanten sehen. Tja, wo ich war, gab es keine Elefanten. Aber es muss bestimmt noch welche geben. Ja.
Beruhige dich, Ingrid, mach dir keine Sorgen. Wenn wir wirklich in Gefahr wären, würde es doch so viel sagen. Außerdem ist man anders, wenn der Rest die Mannschaft freischaltet. Ja, vollständig ausgelöscht wurde. Weißt du schon? Es soll doch die Chance sein. Sie haben begonnen, eine neue, wunderschöne Stadt aus den Trümmern aufzubauen. Sag, wie soll man einen Eier dort ziehen, wenn alles fertig ist? Da habe ich eine gute Geschichte. Jetzt ist auch am Land Nautica eine Bombe explodiert. Vor einer Woche war alles noch ruhig. Was ist nur los? Warum tun unsere Führer nichts gegen diese Terroristen? In letzter Zeit sind verdammt viele Soldaten in den Straßen unterwegs, nicht wahr? Ja, man sollte annehmen, dass sie die nötigen Kräfte haben, um das Ungeziefer auszusorgen. Sie verstecken sich nicht in den Lagen, vielleicht in den Alpen. Man hat hier so manches auf der Straße. Ja, vielleicht.
Herr Offizier! Herr Offizier! Ja, gnädige Frau? Ich würde gerne jemanden melden. Und wen? Eine Nachbarin. Ihr Sohn hält sich irgendwie seltsam. Ich habe die Fenster beobachtet. Er hat den Lippenstift seiner Mutter ausprobiert. Gnädige Frau, ich kann solche Dinge nicht entscheiden. Wenden Sie sich bitte an das Bürgerinformationsbüro, ja? Wissen Sie, wo es ist? Einfach die Straße runter und dann links, ein braunes Haus. Sie können das nicht verfehlen. Dort können Sie das melden. Einen schönen Tag noch. Na gut. Vielen Dank, Herr Offizier. Chalumeau. La prochaine fois, tu t'y colles, Fergus. Si on veut voler un sous-marin nazi, il faut que cette répare son engin sur le table. Donne-lui un coup de main. J'ai tout ce qu'il faut. Oh, attendez. Pourriez-vous transmettre ce mot à Anya? Elle aura besoin de la fréquence du transpondeur pour le suivre. Tout le monde. William. T'aurais un moment? Du hast gewiss gesehen. Schon wieder mit dieser Unsinn! Mein Gott, was ist nur los mit diesen Leuten? Velasquez, je veux. Avec toi. Comme ça. À jamais. On y arrivera, William. Promis, juré. Finissez vos petites affaires, on va partir. Mais pas tout de suite. Écoute ma voix, Blazkowicz. Là où tu es, dans les tunnels d'égout, l'appareil intestinal de la ville, et plus profond encore, les catacombes de Berlin. Un vaste complexe, le site le plus sécurisé de Berlin, le stock central de munitions du régime nazi. On pourrait faire tant de choses avec ces armes. Émeute, révolte. Cette voie d'accès est bloquée par les eaux, impénétrable aux étrangers. Il n'y a qu'un seul moyen de forcer le périmètre. C'est un glisseur sous-marin. Les nazis s'en servent pour la maintenance. Il nous a fallu des années pour le remettre en marche. C'est la première étape du plan pour accéder à la cachette sous-marine de Seth. Utilise le glisseur pour trouver un accès au dépôt d'armes dans les catacombes de Berlin. Anya suivra ta position grâce au transpondeur et elle te fournira des informations tactiques. Bonne chance, Blazkowicz. Ces eaux sont dangereuses. William, tu m'entends? Tu vas devoir traverser les tunnels des égouts pour atteindre les catacombes de Berlin. Je vais essayer de te guider.